Allô les filles, je suis bien contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Karine Safia. Et ça fait 3 ans qu'on a une chaîne YouTube et ça fait 3 ans que je fais cette vidéo toujours à Noël. D'ailleurs cette année je pensais pas spécialement la faire mais vous avez été énormément à me la demander sous les vidéos vlog en commentaire. Du coup c'est parti, sachez quand même que la vidéo, enfin les cadeaux de Safia du coup je les ai déjà ouverts dans le swap. Et les cadeaux de Johan on se les a pas encore offerts en Espagne. On s'offre les cadeaux le 6 janvier et nous ça nous arrange bien parce qu'on n'est pas ensemble à Noël, donc c'est parti avec les cadeaux que j'ai reçus cette année. Je vais commencer avec les cadeaux de mes sœurs. Donc de ma grande sœur, j'ai reçu ce sac là. Et d'ailleurs je sais même pas d'où est-ce qu'il vient. Bocage. J'aime bien ce magasin pour les chaussures et c'est vrai qu'ils font des beaux sacs aussi. Et j'adore la couleur, j'en avais aucun de cette couleur là. Donc je le trouve vraiment hyper sympa. Il a une anse comme ça, donc parfait quoi. De ma petite sœur Laura, j'ai reçu non pas un iMac hein, mais la coque en fait en marbre. Je l'avais vue sur internet, je l'avais mis dans ma wishlist sur mon blog et je sais que Laura elle lit mes articles donc je lui avais dit au fait la taille de mon ordi c'est un 14 pouces. Il y a maman qui rigole. Et du coup elle me l'a pris donc elle est vraiment trop jolie, elle l'a commandée sur internet et la texture aussi elle est vraiment hyper douce. Et derrière il y a des trous d'aération pour l'ordinateur pour éviter qu'il surchauffe. Donc voilà, je suis vraiment trop fan quoi. Ensuite j'avais oublié aussi de ma petite sœur, j'ai eu un bracelet qui vient de chez Pinky. Donc c'est un bracelet doré avec un peu de noir, de blanc, etc. Vraiment hyper joli. Ensuite de ma grand-mère j'ai reçu une écharpe de chez Camailleux, un foulard même, hyper doux, hyper chaud. Et ça tous les petits enfants, toutes les filles de la famille, on a tous le même cadeau à chaque fois à Noël. Et là je la trouvais vraiment hyper jolie, hyper cosy et tout. Donc voilà pour le cadeau de ma grand-mère. Ensuite on passe au cadeau de ma maman. Donc tout d'abord une petite carte comme ça avec écrit tu me manques. C'est une carte en fait que vous pouvez mettre dans votre porte-monnaie et pour l'avoir toujours sur vous. Et j'en avais vraiment beaucoup quand j'étais petite, on s'en envoyait entre copines et tout. Et donc là maman elle nous en a fait une à chacune. Donc c'est marqué tu me manques et derrière à Caroline de la part de maman. Et c'est vraiment trop chou, je vais tout le temps l'avoir sur moi. Elle m'a offert aussi une extension de cils. Donc vous savez peut-être si vous regardiez les vlogs l'année dernière, j'en avais fait une dans la région et j'avais vraiment adoré l'effet que ça faisait parce que du coup il n'y avait même plus besoin de mettre de mascara et tout. Je suis vraiment fan moi des extensions de cils et j'avais très envie d'en refaire une et du coup elle m'en a offert une peu importe où j'ai envie d'aller. Je pense que du coup je vais peut-être la faire en Espagne et voilà, je suis trop contente quoi. Et enfin dernier cadeau de ma maman et ça c'est le cadeau un peu je me tape l'affiche quand je vous le montre. C'est un plaid avec plein de photos. Donc d'un côté c'est les photos de quand j'étais vraiment toute petite. Et de l'autre côté, je vous ferai un close-up pour vous montrer mieux de toute manière. Et de l'autre côté c'est les photos de mon adolescence. Et celle-là elle aimait particulièrement parce que je me tape bien la fiche. J'adorais ce t-shirt mais ouais, je me trouvais classe moi à l'époque. Et donc voilà, donc c'est un plaid, tout le monde en a eu un, pareil mes soeurs et tout, et même le fils de mon beau-père. Et donc il est hyper bien, elle l'a fait faire sur internet. Et il est hyper cosy, hyper doux, donc contente aussi pour ça. De mon père qui est pas là, vous savez, il est à la Réunion et il était même aux Seychelles pour les fêtes de Noël. J'ai reçu un week-end Smashbox, donc dans les châteaux et demeures en fait, où j'ai 2 ans pour aller passer un week-end avec le petit déjeuner inclus dans un château en France. Et en fait j'étais vraiment étonnée parce que d'habitude, moi dans mes souvenirs il y avait 6 mois ou 1 an pour faire... pour faire le cadeau et là en fait il y a 2 ans donc je suis vraiment large pour y aller donc c'est vraiment hyper sympa, j'aime bien aussi les cadeaux comme ça qu'on vit quoi. Et enfin j'ai aussi eu un cadeau de la part des parents de Joanne, donc c'est un massage et j'adore les massages donc je suis vraiment trop contente, j'ai trop hâte d'aller le faire, je pense que je vais le faire avant de rentrer en Espagne et pareil hein, les cadeaux à vivre c'est vraiment hyper top, je suis trop contente. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. J'espère que cette petite vidéo surprise vous aura plu. Je vous souhaite une excellente année 2016, qu'elle soit belle, qu'elle soit riche, pleine de santé, pleine d'amour et de rencontres et de nouvelles découvertes. Nous sur la chaîne, il va y avoir pas mal de changements, pas mal de nouveaux projets qui vont se concrétiser en 2016. J'ai vraiment trop hâte de les partager avec vous. Il va y avoir plus de vidéos sur la chaîne, je l'avais dit sur la chaîne de vlog, mais pas encore ici. Il va y avoir plus de vidéos sur la chaîne de beauté et plus aussi de vlogs, je pense, et des séries vlogants aussi. On en parle avec Safia, on a vraiment trop envie d'en refaire une. On n'a pas encore les dates, mais... c'est sûr qu'en 2016, il y en aura. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente année encore une fois. Et merci d'être là. Bisous !